Voici l'exploit des X 2K9, un documentaire choc sur le Dintron. Dintron est un petit chevreuil d'origine gréco-portoricaine, attardé et sans jambes. Son mode de déplacement principal est de rouler, mais il peut aussi bondir. Bien qu'attardé, le Dintron est un animal sociable et aime jouer avec ses amis. Mais lorsque c'est nécessaire, le Dintron est capable de se battre avec une violence foudroyante, notamment lorsque ce sera la saison de la reproduction. Ah, il éjacule un grand coup. Allez, arrête, c'est cher. T'en fais pas d'ailleurs. Les rapports sexuels du Dintron peuvent durer plusieurs minutes. Notons la quantité phénoménale de sperme du Dintron mâle. Cependant, cette énorme puissance sexuelle a un désavantage. En effet, le pénis du Dintron mâle s'auto-éjecte à la fin de la copulation. Après tant d'émotions, un Dintron normal doit bien sûr se nourrir. Afin de retrouver son énergie, le Dintron mange un repas très équilibré, surtout en protéines. Parfois, dans notre nouvelle société, des gens de bon cœur aiment lui donner un petit peu à manger. Mais toutefois, notre société n'est pas encore très bien adaptée pour accueillir une espèce de cette sorte. Par ailleurs, le pauvre Dintron sauvage a souvent été chassé au cours des années. Que ce soit par l'homme préhistorique, l'Indien ou encore l'homme blanc, il fut maltraité de mille et une façons. Vous êtes là sur le pare-brise, hein? Continue. Pour oublier ses problèmes, le Dintron est très proche de la bouteille. Il aime fréquenter les bars, surtout ceux de Côte-des-Neiges. Pour s'adapter à cette nouvelle vie contemporaine, le Dintron doit se trouver un job à temps partiel, notamment en tant que cuistot dans un chiche kebab. Malheureusement, malgré ses nombreux efforts pour s'adapter à la société, il lui reste encore quelques points à améliorer. Le Dintron du futur sera-t-il relevé tous ces défis? La question reste malheureusement entière. L'exploit des X. Jamais vu ça. Ça, c'est la fin, ça.